Bonjour, quel est votre sentiment en fait sur cette rencontre? Bonjour. On a eu affaire à une équipe du Paris Saint-Germain vraiment forte. On a essayé de rivaliser le maximum de temps, mais c'était vraiment pas évident. Elles ont mis beaucoup de rythme, beaucoup d'engagement, et on a vite été dépassées. Après, on a essayé de se défendre avec nos moyens, mais elles étaient vraiment plus fortes que nous. C'est qu'on a pris rapidement un but. Après, c'est pas qu'on voulait forcément défendre, c'est qu'on a eu une semaine un peu compliquée au niveau des blessés, et que donc on s'est adapté par rapport au profil du joueur, ce qui nous restait. Après, c'est vrai qu'on prend ce but rapidement, qui était un petit peu litigieux, mais en voyant les images, il semblerait qu'il n'y ait pas en jeu. Donc, après, on a essayé de tenir. Après, on prend ce deuxième but un peu par naïveté, c'est qu'on a un jeu rapidement. Après, on a essayé de faire bonne figure, mais bon, là, tout de suite, il y a vraiment un monde d'écart entre les deux clubs. Donc, après, on résiste, on fait avec nos valeurs, mais ça suffit plus. Je crois que j'ai dit à mes joueuses avant le match qu'il nous en restait 4, aujourd'hui il nous en reste 3. On attend le match de demain entre Montpellier et Lyon, entre Guingamp et Juvisy. Donc c'était très important de gagner ce match, d'abord d'un point de vue comptable. Voilà, on aurait aimé mettre plus de qualité dans le jeu, plus de liant je dirais, mais l'hiver dure hein, quand même. Donc, il faut simplement souligner le sérieux de mes joueurs, même si ça n'a pas été d'une grande qualité, c'est le plus important pour moi. Est-ce qu'une seconde place quasiment assurée là ce soir? Vous savez, en effet on compte souvent sur les autres équipes potentiellement en effet européennes pour lorsqu'elles jouent entre elles tirer un résultat positif. De la confrontation. Demain, en effet, il y a Montpellier, Lyon, Guingamp aussi, qui peut faire quelque chose contre Juvisy. Donc, je crois que si demain, les deux font une erreur, oui, ça va être difficile d'aller nous chercher.